Bonjour. Steven, je pensais que je t'avais bloqué. Tu es encore sur ma page. Bonjour le roi Brice et félicitations. Steven, c'est toi qui ris, je suis sûr. Je voudrais qu'on parle des. On va parler de la santé mentale, mais cette fois sous un autre angle. Hier, j'ai une reine qui m'a écrit. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi je me sens mal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, soit quelque chose qui m'embête, soit quelque chose de mauvais qui va se passer. Bonjour la reine Anne, bienvenue sur la page. Il y a 23h30, j'ai un ami qui m'a fait un message, il me dit, il ne va pas bien. Donc, je sais que vous le sentez. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui vient opprimer, ça vient appuyer, ça vient décourager les choisis. Un choisi, c'est quelqu'un qui. Ça veut pas être, tu n'es forcément pas le plus riche de ta famille, mais tu as des dons. Tu as des dons de guérison. Parfois, tu as les dons prémonitoires. Tu peux voir les trucs avant que ça n'arrive. Tu as les dons de vision. Tu peux parfois prédire. Tu peux. Parfois, tu es bon dans le business. Quand tu conseilles quelqu'un par rapport à son business, ça marche. Tu peux arriver dans le business de quelqu'un, tu regardes, tu lui montres ce qu'il doit faire pour que l'activité donne bien. Tu as quel autre don? Donc, le choisi aussi est souvent rejeté par sa famille. Donc, parfois on fait les réunions familiales pour parler contre toi. Tout le monde est parti en Europe. Mais toi, tu as la conviction que c'est en Afrique que tu vas prospérer. Donc, tu n'es pas pressé pour partir en Europe. Ils se sont avancés, ils ont fréquenté toi. Tu vas m'arrêter l'école tôt. Et tu as essayé 50 000 choses. Et là, tu es en train de préparer ton exposition qui va toucher les gens. J'ai rencontré une choisie l'autre jour. Elle préparait une expo sur la lumière. Et là, elle me disait, tous les membres de sa famille sont en Europe. Mais elle est pas là. Donc, un choisi, c'est quelqu'un qui a. Tu as une vision. Tu sais que tu as une mission. Et j'ai même parlé avec une dame. J'ai consulté une dame avant-hier. Elle me disait. Une blanche, une française. Elle me dit, son don à elle, elle peut déstresser les gens. Donc parfois, dans sa jeunesse, parce qu'elle avait déjà presque 60 ans, elle impose les mains sur les gens, elle te fait un massage, tu vas mieux. Parfois, elle peut voir quand les gens sont enceintes, même avant qu'eux-mêmes ils ne sachent qu'ils sont enceintes. Donc, j'ai une choisie qui m'a appelée hier pour me donner un témoignage aussi. Elle m'avait visité à Libreville. Et là, elle me dit qu'elle avait fait le jeûne avec nous. Quand elle est venue pour le jeûne, en fait, quand elle est venue me voir la dernière fois, elle doutait un peu d'elle.
Maintenant, elle me dit qu'elle a fait le jeûne. Elle me dit, donc voilà, j'ai arrêté mon jeûne le deuxième jour, le jeûne sec. Mais la nuit de ce deuxième jour, ou le troisième, j'ai rêvé, j'ai vu mon oncle. Il est venu me dire, bonjour le roi Fouette. Mon oncle est venu me dire de dire à ses enfants de donner le studio à son fils. Et il savait que l'oncle qui est venu dans son rêve lui parler, il était déjà mort. Et la nuit où il est venu parler à la dame, on avait fait une assise pour partager ses biens entre ses enfants. Donc, et quand ils sont arrivés sur le studio, ils ont beaucoup hésité. Ils ne savaient pas s'ils devaient donner le studio à son fils là ou pas. Donc, elle ne savait même pas qu'il y avait l'assise. Mais dans son rêve, elle voit donc le monsieur qui vient dire, dit de donner le studio à mon fils. Donc, elle se réveille, elle appelle sa cousine, elle dit, voilà, j'ai vu votre père, il m'a dit de vous dire de donner le studio à telle personne. Donc, hier, elle m'a appelé, donc me dit, elle a fait le témoignage, elle a dit ce rêve, et ils ont donné le studio au jeune homme, en fait. Vous allez voir qu'en tant que choisi, souvent vous rêvez et vous pouvez savoir quand quelqu'un va mourir. Vous sentez, vous avez une intuition très forte. Quand vous attaque, vous connaissez. Vous êtes comme un chien. Tu vois, le chien connaît quand il est malade, non? Quand vous êtes sous attaque spirituelle, vous connaissez. Parfois même, vous connaissez qui est en train de vous attaquer. Parfois, vous connaissez qui est en train de vous attaquer. Donc, et vous savez aussi reconnaître, vous savez reconnaître les bonnes opportunités des mauvaises. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de partir, peut-être il va se tromper, vous savez, en avance, vous pouvez voir. Donc, je pense que je suis en train de mettre un peu je suis en train de dessiner l'image des choisis. Vous êtes très persécuté. Avant, vous pouviez gérer certaines de vos persécutions parce que vous ne saviez pas que vous êtes choisi. Vous ne saviez pas que vous avez des dons spirituels. Vous ne saviez pas que comme ça, comme vous êtes là, vous êtes sur 10 millions de personnes, il y a peut-être deux comme vous. Vous ne saviez pas que vous êtes spécial. Et vous ne saviez pas non plus que vous êtes appelé à aider plusieurs personnes. Non, les choisis doivent comprendre que peut-être pendant 10 ans, tu vas aider seulement une personne chaque mois. 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 Bonjour, likez ma vidéo, s'il vous plaît. Partagez ma vidéo. Pour partager, d'autres choisis vont voir ce que je dis, ça va les aider. Donc, vous êtes censé toucher seulement une personne chaque mois. Donc, le mois, c'est comme ça. Tiens, Dieu t'amène un couple. Tu aides le couple. Tu les aides. Ils se réconcilient. Dès qu'ils se réconcilient, c'est fini, ta mission est finie. Parce que pour l'instant, ta puissance spirituelle n'est pas encore assez forte pour que tu guérisses plusieurs personnes. Plus tu guéris de personnes, plus tu es exposé à des mauvais esprits. Parce que guérir quelqu'un ou bien soulager quelqu'un, ça veut dire que tu prends ses problèmes sur toi. Tu prends ses mauvais esprits sur toi. Tu prends sa mauvaise énergie. Donc, quand tu n'es pas encore bien solide, quand tu ne connais pas encore comment te restaurer rapidement, comment détecter quand tu es malade, ce n'est pas à tout moment que tu vas travailler sur les gens. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous travaillez déjà sur les gens. Il y a les jours où tu restes comme ça, là, l'esprit va te dire, aujourd'hui, là, tu ne peux pas. You know go touch anybody. You know go touch them. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour. Steven Kamga, tu vois, tu viens à mon directement pour voir mon sourire. Tu viens mais tout à part là-bas. Tu crois que je suis ici pour faire la publicité de Coca-Cola? Hein? Aïe. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Oh. Partager, on va monter à 100 personnes, je continue. Partagez et vous likez ma vidéo. S'il vous plaît.
Monsieur Simplice, comment tu vas? Tu es dans quel pays maintenant? Merci pour le partage, monsieur Michel. Je continue mon enseignement quand on remonte à 100 personnes. Je ne vous fais jamais le chantage ici. Je dois vous faire le chantage. Si on reste à 90, je vous parle de vos dons spirituels. Les choisis là. Vous arrivez à un niveau, vous maîtrisez la chose. Monsieur Yonta, tu es où finalement? Bonjour le roi Kofi. On descend au contraire. Ça veut dire que je ne sais pas si vous ne partagez pas bien ma vidéo. Il y a beaucoup de méchanceté, hein? C'est parce que vous ne pouvez pas. Vous ne voyez pas. Il y a beaucoup de méchanceté. Ok, le roi Simplice. Est-ce que tu es toujours à Makepe? Tu es toujours là où je connais là? Oui ou non? Donc je disais, je parlais des choisis. Je voudrais que vous partagiez ma vidéo avant que je continue. Oui, le roi Yonta, je suis sur WhatsApp. C'est ma secrétaire qui décroche mes appels. Ah d'accord, tu es toujours au même endroit, d'accord. Partagez ma vidéo, mettez les likes. Dès qu'on arrive à 100 personnes, je continue. On n'arrive pas, et continue pas. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous devez apprendre à maîtriser votre pouvoir. Votre pouvoir spirituel. Bonjour la reine Gekem. Les 87 personnes qui sont là, mettez les cœurs sur ma vidéo. Et si on ne monte pas, je vous assure, j'arrête. Comme ça, vous aurez eu un petit brin d'enseignement aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui regardent ma vidéo, vous ne partagez jamais ma vidéo. Et pourtant, ça pourrait aider certaines personnes. La reine Lima, je suis sur TikTok. J'ai même posté une vidéo ce matin sur TikTok. Dans la vidéo, j'expliquais comment restaurer son étoile, comment récupérer son étoile. J'ai fait une deuxième vidéo, comment savoir si tes parents t'ont bloqué ou pas. Si on ne monte pas à 100 personnes, je vais changer de sujet. Je vais arrêter la vidéo. Vous avez beaucoup, 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 beaucoup d'adversité. Surtout quand vous découvrez vos dons spirituels. Surtout quand vous commencez à utiliser vos dons spirituels. Parce que vous le faites même déjà. Maintenant, je veux que vous puissiez développer l'art de ne plus descendre et remonter. Mais tu commences à maîtriser ta vibration. Tu maîtrises ta vibration. Tu commences à avancer. Tu connais quand tu vas t'arrêter, tu attends. Après, tu avances. Après, tu t'arrêtes, tu attends. Tu écoutes. Tu avances. Beaucoup de choisis ne savent pas que ce sont leurs dons spirituels qui sont leurs armes de combat. Bonjour la reine Alan Karine. Vos armes spirituelles, vos dons spirituels que vous avez sont vos armes de combat. Pour t'enrichir, pour te protéger, pour obtenir ce que tu désires. Vous allez voir certains choisis qui sont très riches. Certains choisis qui ne sont pas riches, mais qui ont découvert le don, qui utilisent le don, mais qui sont toujours pauvres.
Bon, pour me rencontrer, je vais vous donner le numéro de téléphone et puis je vais partir. Au Cameroun, c'est le 00237 693 50 22 66. 00237 693 50 22 66. En France, c'est le... Il y a un numéro à Paris et puis il y a un numéro à Nantes. Ça, vous allez voir sur la page. Bonjour la reine Méaline. Partagez ma vidéo. Maintenant, vous avez un numéro aussi à Yaoundé. Au Gabon, c'est le 0741 80 080. Consultation, lavage et puis les produits. MTN au Cameroun 00237 680 71 07 01. Vous avez beaucoup de personnes. Une maman m'écrit ce matin, elle me dit, oh, ma fille, oh, ma fille, oh, elle est tombée amoureuse d'un gars de Kribi. Elle ne veut même plus venir. Elle ne veut plus venir en Europe. Il est parti chez la, dans la belle famille. Ils ont tourné sa tête. Maintenant, tout ce qu'elle veut, c'est rester au pays. Parce que beaucoup d'entre vous, quand je parle, vous prenez du temps avant que ça rentre en vous. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne devez pas blaguer avec votre vie. Il y a des dons en vous. Je sais que c'est difficile pour vous de croire que donc moi, simple, simple, moi seulement, j'ai les dons spirituels. Oui, tu as les dons spirituels. Maintenant, comment utiliser tes dons alors? Comment les utiliser? J'attends qu'on arrive à 100 personnes. Il faut encore 3. Partagez la vidéo, vous likez. On arrive pas à plus. Voilà. On descend. Il faut encore 7 personnes. Il faut 10 personnes. Bonjour la reine Pélagie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui... La plupart du temps, quand tu commences à découvrir qui tu es, ils vont te dire, je savais déjà qui tu es. Ils savaient, mais ils sont partis te bloquer. Ce n'est pas qu'ils savaient, ils sont partis t'aider. Vous devez comprendre la différence. Ta mère est morte depuis longtemps, ton père est mort. Il y a des gens dans ta famille qui connaissaient les dons que ton père avait. Ils ont maintenant, oh, ils ont veillé à ce que ton père n'utilise pas ses dons. Clem, merci pour le partage. Clem Sidonie. Maintenant, ils ont laissé ton père mort. Quand ton père est mort, tu avais 11 ans. Ils ont partagé tous les biens de ton père. Et ils ont malé, ils ont checké, ils ont vu que tu avais ta part de lumière. Ils ont saccagé ta lumière là. Maintenant, te voilà, tu grandis. Tu commences à écouter mes vidéos. Tes yeux commencent à s'ouvrir comme ça. Première chose, méfie-toi de tout le monde. Méfie-toi de tout le monde. Ce n'est pas la blague. Voilà la première chose. Yohan, vous êtes à 118. Tu dois te méfier de tout le monde autour de toi. Parce que c'est la personne à qui tu fais le plus confiance là. Écoutez, hein, les gens partent vous checker chez les marabouts. Les gens partent vous checker. Ils vous checkent. Et quand Brenda, je ne sais pas si tu arrives là, tu t'es trompé de porte. Si tu t'es trompé de porte, sors seulement, tu pars, pardon. Et quand ils te checkent, il y en a qu'on a dit sur vous que, écoutez, donc, la personne se lève, prend son argent, voyage, pas loin, voir quelqu'un, s'assoit, donne ton nom.
dit que la fille-ci ne doit pas se marier. Voilà, elle a écrit le livre sur toi. Hein. Elle a d'abord, elle donne le nom. On check, on regarde, on dit que ouh, la fille, elle a l'étoile. Elle... Oui, c'est la fille de ma soeur. Oui, c'est la fille de ma soeur. À 12 ans, on voulait t'amener en Europe. Ils ont fait ça échouer. 15 ans encore. Même ton frère, même père, même là. Hein. Il check. Après, maintenant, on dit, ok, voici ce que je ne veux pas pour elle. Voilà, elle a la liste. La personne a le cahier pour toi. Elle a le bord. Elle a le bord. Elle ne doit pas se marier. Le menguiste qui est venu là, qui dit qu'elle veut la doter là, ça ne va pas se passer. Après, qu'elle donne sa liste. Je vois là, essayer un truc, elle dit, je vois en ligne, elle dit qu'elle fait le restaurant. Hein. Je vois, elle dit qu'elle vend les mèches, elle vend les produits. Hein. Ok, bloquer ça. Ça fait troisième chose. Après, la personne donne sa liste, même 5 ou 6 choses. Souvent, il confesse. Souvent, il confesse. L'autre jour, une dame m'a, pour la consultation, je la consulte, elle est en France. Elle me dit que sa belle-mère, sa propre la mère de son mari, partait chez le marabout tout le temps. Et elle ne comprenait pas. Parce que la belle-mère avait faisait que venir lui dire, tu as la chance, tu as la chance. Elle dit, mais pourquoi la mère se me dit tout le temps que j'ai la chance? Elle est camerounaise, le gars est français, d'origine congolaise. Dont la mère est congolaise. Un jour, son mari dit, ma chérie bébé, mon bébé, je vais t'amener chez un homme. Le bébé porte la femme, il l'amène chez le même marabout de sa mère là. Dès que le marabout la voit entrer, il dit, tchao, je comprends pourquoi on travaillait, ça ne marchait pas. Écoutez, hein, si j'invente l'histoire eux-mêmes là, vous me suivez, non, vous allez me dire, ils vont venir d'ici là que tu mens. Que je comprends pourquoi on travaillait sur toi, ça ne marchait pas. Parce que cette femme, c'est une choisie. En tant que choisie, tu as d'abord une puissance naturelle. Maintenant, il y a des choisies qui peuvent te tomber dans certaines familles. Ils savent que tu n'as pas de mère, tu n'as pas de père. Je vous ai dit l'autre jour que faites attention à vos belles-mères. Là, t'es ma fille. Tu n'as pas de fille, ma mère. Laisse ça. Même ma mère, c'est ma belle-mère, tu n'as pas de fille. Tu n'as que 4 garçons. J'ai épousé un d'entre eux. Si tu avais une fille, tu allais te donner la fille. Tu n'as pas de fille. Le marabout dit, ah, je comprends pourquoi on travaille, ça ne marchait pas. Le marabout vient maintenant lui dire ce que sa belle-mère venait demander qu'on fasse sur elle. Pour la contrôler. Pour qu'elle fasse du bien à leur frère. Qu'elle encourage leur frère. Parce qu'elle a rencontré ce genre de gars qui faisaient les faux trucs à Paris. Toujours comme ça, aller en l'air. La mère maintenant a vu, au lieu d'aller travailler sur son fils pour que son fils arrête les choses, elle peut travailler pour que la femme de son fils fasse ce qu'elle veut. Vous serez surpris, j'entends souvent les histoires dans mon travail. J'entends les histoires. Quand c'est le marabout lui-même à qui on est venu demander, qui a essayé de faire le travail, ça n'a pas marché, qui te dit, ma chérie, je crois que tu as toutes les raisons de croire ce qu'il te dit. Tu as toutes les raisons. Et elle est le genre de belle fille qu'elle dit, maman, quand je suis arrivée dans la vie de ce garçon, je lui ai dit qu'arrête ça. Les photos que tu fais, les faux business que tu fais là, fais une formation, il a fait. Maintenant, elle a travaillé. Je l'ai aidé à mettre sa vie comme ça. Parce qu'il y en a parmi vous, vous avez une puissance. Et je reviens encore sur les choisis. Parce que le premier truc, c'est que vous ne connaissez, donc ils ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes. Il y en a que la nuit, ils viennent comme ça, vous les fouettez bien, vous les tapez. Et tu ne parles pas chez Marabout. Hein? Mais quand ils viennent, mon frère, mof, tu les touches. Le matin, tu guettes à distance comme ça là. Je ne sais pas pourquoi tes belles soeurs te détestent. Parce qu'elles sont parties, elles t'ont tenté 50 fois, ça n'a pas marché. Toi, donc, naturellement, tu as cette puissance-là en toi. Quand j'étais petite, on disait que tu es une sorcière. Tu n'es pas une sorcière. Une autre sorcière. Tu n'es pas une sorcière. Tu as la puissance. Maintenant, tu vas comprendre ta puissance. Tu dois te rendre compte. Parce que quand tu vois ça, les hommes venaient dans ta vie ou les femmes venaient dans ta vie, ils en profitent. Tu restes comme ça là, un homme vient dans ta vie, quand il commence avec toi, voyez un peu sa vie un an plus tard, tu l'as appris à économiser, tu as vu l'acheter le terrain, tu as vu la commencer à travailler, il allait se former. Ouais, il a arrêté tous ces petits faux trucs qu'il faisait là, tiens, il est devenu comme ça là. 5 ans plus tard, on vient comment dire, tu as même fait quoi dans la vie de notre frère? Écoutez, c'est ta puissance qui a libéré l'homme là, parce qu'il y a certains hommes dans leur vie comme ça là, qu'on a déjà gâté dans sa famille.
On a dit que comme tu es parti à Paris là, que Jean Bosco, crépin, comme tu es parti à Paris là, hein, ta mère t'amène à Paris tôt. On a bloqué ta mère. On a fait que quand elle arrive en Europe, elle n'a pas de papiers pendant 20 ans. Malgré ça, elle est allée barbare. Elle s'est quand même démêlée. Quelqu'un d'autre vous a reconnu pour que vous veniez en Europe. Tu es arrivé là-bas en Europe à 18 ans. D'accord. Jean Crépin, on va te bloquer. Je vous donne les exemples pour que vous puissiez comprendre. Ta puissance est déjà, tu le sais, intuitivement tu le sais. Maintenant quand ils viennent pour t'attaquer, certains vont connaître ta puissance, mais ils vont venir devant toi physiquement te dire, ah voilà, tu as besoin d'aide. Hein, alors que la personne connaît qu'il a bagarre avec toi toute la nuit. Mais toi tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc on a bloqué Jean Crépin, on a dit que Tania Jean Bosco. Je ne sais pas pourquoi les noms bizarres toujours viennent comme ça dans ma tête. Ok, comme tu es arrivé en Europe à 18 ans là, tu vas te m'entraîner avec les faux business. Tu sais pas, les gens qui font les fautes, qui volent les cartes là-bas, ils font les. C'est que ça qu'on t'a mis dedans là-bas à Paris. Ou bien tu fais venir ton enfant, on le met dans ça. Assiste tout, je ne sais pas que ce nom est ton gars. Il s'appelle Jean Crépin, Tom Lay. Donc, tu te retrouves avec. Peut-être c'est ton enfant qui est attaqué. Parce que beaucoup de choses, on attaque vos enfants, vos autres enfants. Et maintenant, le but, c'est que tu doutes dans ta tête. Ok. Si je suis choisi, j'ai le pouvoir. Comment ça se fait que mon enfant souffre autant? Comment il n'est pas pu sauver mon enfant? Et généralement, un choisi accouche, un autre choisi. Aux enfants qui sont bloqués là, ils ont des pouvoirs. Je vous dis, priez beaucoup pour vos enfants. Faites des lavages de vos enfants. Lancez la pluie pour vos enfants. Je vous dis ça chaque jour. C'est pour ça qu'on est venu attaquer ton enfant quand il était encore petit. Certains d'entre vous ont attaqué, on a lancé un handicap à ton enfant très tôt. Parce que quand l'enfant est né, les rois mages ont vu l'étoile de Jésus de loin. On ne sait pas combien de mois ils ont marché pour arriver voir Jésus. Ils n'ont pas voyagé en une semaine. C'était pas en une journée. Quand ils sont arrivés, Jésus avait entre 0 et 2 ans. Donc peut-être ils ont pris un an pour arriver là où Jésus était. Ça veut dire qu'ils ont vu son étoile de loin. Maintenant, leur but, c'est que, ok, si j'ai la puissance, pourquoi me voilà à 58 ans, je n'ai pas encore accouché. Si je suis puissante tant que ça. Alors que dans ta vie, tu as aidé au moins 50 personnes à devenir enceinte. Avec ton pouvoir. Alors que donc, dans ta vie, tu as aidé, tu as conseillé. Parfois même, ton pouvoir, c'est quoi? Tu peux voir une mère que son enfant est en train de se perdre. Tu appelles la mère, là, tu la mets au sol. Tu parles. Quand on voit ton enfant dans telle école, guide-le comme ça. Écoute, tu es en train de rectifier la trajectoire de cette famille. Je sais que vous aimez seulement que déjà qu'on voit, comme tu as guéri 50 personnes, ça fait le show. Quelqu'un s'est levé, il a marché. Alors qu'il m'a dit, non, c'est pas ça. Leur but, c'est que tu doutes en regardant ta propre vie. Me voilà. Peut-être tu as un boulot de secrétaire ou de réceptionniste. Mais dans le boulot, là, mon frère, tu touches les gens chaque jour. Tu aides les gens. Tu parles, ça aide les gens. Après, tu rentres à la maison, tu dis, voilà, mon petit salaire de 70 000. Qu'est-ce que j'ai fait même? Leur première mission dans votre vie, c'est que vous ne sachiez pas qui vous êtes. Maintenant, j'ai commencé à vous dire tout à l'heure que ce pouvoir-là, ça s'ouvre petit à petit. Il y a un décret que quand tu n'es pas encore solide dans ça, tu ne connais pas écouter l'esprit. Parce que ce n'est pas tout le monde que tu dois guérir. Ce n'est même pas tout le monde qui doit savoir que tu as les pouvoirs. Ce n'est même pas tout le monde. Certaines personnes viennent te parler aux autres. Tu vas faire comme si tu ne connais pas la solution à leur problème. Oh, mon mari. Oh, tu dis, ah bon. Ouais, désolé, ma chérie. Ouais, désolé. Que sorry, yo. Et c'est l'esprit qui a été dit que ne lui dis rien. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour te tester. Il y a des gens qui viennent pour te tester. Mais il y en a qui vont venir en étant sceptiques. C'est des scepticons là. Et ils viennent. Le but, c'est que tu prends tous tes efforts, tu mets sur lui ou sur elle. Et même si au départ,
Elle connaît le serpent qu'elle a mis, elle est venue avec pour te tenter là. Après, elle dit, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce qu'elle est venue te tester. Elle est venue pour te tester. Et son but, c'est de te faire croire. C'est de te faire croire que tes choses ne marchent pas. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui que tu te dis, ah, je vais aider, je vais aider, je vais aider, je vais aider. Parce qu'il y en a qui viennent pour sucer ton énergie. Donc, la première chose qui te ralentit en tant que choisi, c'est le doute. Après, ce sont les personnes qui viennent pour sucer ton énergie. Donc, tu dois pouvoir ça. Tu dois savoir que ce n'est pas sur tout le monde que tu peux vous donner tes conseils. Ce n'est pas sur tout le monde que tu peux imposer ta main ou pour prier pour lui. J'avais fait ça pour telle personne, ça a marché. Là, je viens et fais pour toi. Non, si ce n'est pas l'Esprit qui te dit. Jésus disait que je fais ce que le Père, je vois le Père faire. Et je dis ce que j'entends le Père dire. Donc, c'est ça. C'est cet endroit où tu es humble. L'humilité spirituelle, c'est quand tu connais que ce n'est pas moi qui fais. Il y a des gens qui viennent me voir, je les insulte même. Ils partent. Je t'insulte, j'insulte tes démons, j'insulte tes serpents que tu es venu avec. Je vous insulte, vous tous, je vous chasse. Vous partez. Une autre personne à côté de toi, je dis, ah maman, je mets ma main comme ça là, pam. Après, dans 2 jours, elle me dit que maman, tu as fait, j'ai fait comme ça là, je suis rentrée, telle chose s'est passée. Donc maintenant que tu comprends que. Écoutez, si vous êtes encore dans ma vidéo jusqu'à maintenant. Vous savez que vous avez des dons spirituels. Vous savez que vous avez des pouvoirs en vous. Arrêtez de devenir simple. Parce que la première chose, première étape, c'est que tu te rendes compte. Deuxième étape, tu comprends que ces pouvoirs sont censés être. C'est ça que tu vas donner et en échange, on va te donner de l'argent. Donc, si tu es vide, tu n'as pas d'énergie pour pouvoir donner ce pouvoir aux gens, tu es pauvre. Troisième chose, je pense que j'ai dit, quatrième chose, c'est que il y a parfois une période de test, période d'entraînement. Est-ce qu'il va écouter la voix qu'on va lui parler? Est-ce que si on m'a dit avance, il avance, arrête, toi, il s'arrête. Est-ce que tu peux, le test là, ça peut te coûter parfois même 5 millions de francs CFA. Tu pars, tu essayes ça, et tu après, tu te rappelles que l'esprit m'avait dit de ne pas faire. Après, tu dis, l'esprit m'avait dit de ne pas faire. Maintenant, quand l'esprit est sûr que tu es concentré sur ce que l'esprit veut, l'esprit t'envoie maintenant dans la bonne direction. Les suites envoient maintenant les bons clients. Beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes affectés par l'environnement. Si tu te couches dans la nuit, tu dors. Quand tu dors, tu dois les cauchemars. Tu verses sur le sel, ça n'importe comment. Tu prends, il y a la poudre de maison hantée pour purifier la maison. Et un kit qu'on appelle kit maison hantée. Tu prends ça. Si tu fais tout ça, tu verses chez toi, ça ne va pas toujours. Hein. La maison là. That house will be fine for you. That house will be fine for you. Voilà, tu as arrêté d'être mis à la porte, c'est comme ça. Parfois, ils vont écouter ce que tu as dit, venir faire comme ton ami, t'écouter et te donner un mauvais retour, genre, tu es même sûr que c'est le Père qui t'a parlé. Tu es même sûr que ce que tu as entendu là, c'est ça. Pour te faire douter de ton pouvoir. Et une fois que tu doutes, c'est là-bas qu'il te touche. Et ils utilisent maintenant ce que tu viens de leur expliquer sur toi pour aller maintenant parler contre toi, te faire des problèmes. Oui, Karine, il faut beaucoup de travail et beaucoup de volonté. Mais c'est sucré à la fin parce que. Tes dons, quand tu les utilises et que tu les maîtrises bien, ça va t'enlever des affaires quand tu dis que tu travailles pour les gens là. Ça va t'enlever de là. Ça t'enlève des trucs que tu dis que oh, je travaille pour telle personne. Ça t'enlève de ça. Parce que maintenant tu deviens dépendant. Tu réussis à l'esprit, le matin l'esprit te dit va faire ça. Tu pars, tu fais. Ça te donne 5 millions. Les 5 millions là, c'est ton argent pour au moins ces 3 semaines.
Pendant les 3 semaines, là, tu recharges encore l'énergie. Tu recharges l'énergie, tu recharges. Tu vois, tu peux accriver, tu peux aller, mais tu fais 2 jours. Tu lèves un matin, on sort, l'esprit te dit, parle au téléphone, fais ça. Parle, tac, 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 tac. Ça donne. L'esprit te dit, va à tel endroit. On t'amène 3 personnes là-bas. Tu guéris les 3 personnes là, pam. Ça donne 2 millions. Vos dons spirituels, les chrétiens qu'on a bloqués avec la pauvreté là. On dit, Kobo, faites ça pour les gens pour rien. Kobo, tu pries pour les gens 5 heures de temps. Après, tu vas encore te lever pour aller travailler pendant les autres 6 heures de temps qui arrivent. Tu deviens indépendant de l'être humain, mais tu dépends maintenant de l'Esprit de Dieu. Tu dépends de l'Esprit de Dieu. Short mini, vous avez les témoignages, vous ne dites pas. Maintenant, tu me dis le truc, tu as le témoignage, je dirais, tu fais comment? Tu as mon WhatsApp, non? Valérie, Meko. Oh, la pauvreté n'est pas bien. Valérie. Valérie, tu t'es trompé de porte. Sors-tu pas. T'aimes Dieu. Oyoa. Je parle des ancêtres ici. Tu as compris? Je parle. Je parle bien. Ça ne te plaît pas. Tu sautes en l'air. Tu calmes. Tu as compris, non? C'est pour ça que vous a bloqué les églises, vous a bloqué, bloqué. Acceptez Jésus. Vous connaissez Jésus. Moi, je connais Jésus plus que toi. On va voir que quelqu'un, il a les dons, il a les dons, il a le potentiel. Il y a que Jésus, Jésus. Jésus veut que tu prospères. C'est ce que beaucoup de choisis ne comprennent pas. Steven, je ne peux pas mettre les gens ici pour qu'ils témoignent. Pourquoi? Beaucoup de personnes sont ici là avec des pseudos. Et il y a les Decepticons. Il y a des gens qui me suivent ici là que les gens qui les ont bloqués depuis des années sont sur ma page. Vous me comprenez? Donc je ne veux pas les exposer. Chaque Mila, par exemple, elle a c'est un pseudo qu'elle a. Je la connais bien. Elle est venue me voir à ma café. C'est un pseudo. Ma part de page, c'est délicate parce que je ne peux pas, exposer les gens n'importe comment. Je ne peux pas. Pour savoir que tu as ces dons, hein, je veux que tu t'assèches, tu analyses un peu. Parce que beaucoup d'entre vous, généralement, vous avez, ça vient de, ces dons-là marchent généralement ensemble. Vous avez les dons prémonitoires. Donc peut-être que tu restes comme ça. Ton intuition est très prononcée. Chaque fois que tu dis à quelqu'un, ne fais pas ça. Il dit si, 6 mois plus tard, il vient te dire, tu avais raison. Tu avais raison. Tu dors parfois quand quelqu'un va mourir, tu vois dans le rêve. Tu conseilles quelqu'un peut-être pour le business world, il fait sa marche. Parfois, tu peux raison ça, tu connais que tu prends, quelqu'un il te dit, oh, je n'arrive pas à coucher. Tu prends 1, 2, 3, tu mélanges ensemble, tu dis, va boire. Il boit. Ou bien tu dis que quand tu pries pour des gens, peu importe ce que tu demandes, tu es sûr à 80% que la personne aura. Et que même s'il n'a pas ce que c'est lui-même qui a cherché. Ce que tu as dit après les parties n'a pas fait ce que tu as dit exactement. Oui, je vous ai dit que vous envoyez sur WhatsApp, on coupe votre nom et puis on poste après. Ils sont là, pardon, protégez vos vies, protégez vos bénédictions. Protégez. Je vous dis que j'ai les marabouts qui me suivent. J'ai vos tantes qui partent, qui vont me bloquer depuis que vous avez 5 ans là. Même les gens qui ont tué vos parents sont sur ma page. Ils ont tué votre mère. Ils ont tué votre père. Ils sont sur ma page. Donc ils vont voir que. Il y a une qui me dit un jour que wow, wow. Il y a une de ses tantes qui l'a vue, elle a liké ou elle a commenté. Parce que quand tu regardes mon direct, si tu avais un décès, tu comptes regarder, vous regardez ensemble. Si vous êtes amis, vous allez vous voir. Elle dit que sa tante là est mof. Ça, ton degré de sorcellerie, c'est un autre. Elle est sur ma page. Elle la voit ici sur la page. Tu crois que la belle va s'exposer? Pourquoi? Never. Never. Oui, Niembe, parfois tu touches le dossier de quelqu'un, ça marche. Tu connais, donc tu sais que si je mets ma main sur ta chose, ça va marcher. Il y en a même. Tu, il n'a pas, la personne n'a pas l'enfant. Quand la personne marche avec toi-même 2 semaines, 3 semaines,
La personne qu'on soit. Vous connaissez vos dons. Certains de ces dons, on vous a volé ça quand vous étiez petit. Ça ne veut pas dire que c'est parti totalement. Certains vous couvrent, on te voile. Tu fais n'importe quoi, on ne te voit pas. La majorité du temps, ces personnes ont pu agir parce que vous ne saviez pas, vous ne connaissiez rien. Je sais que c'est maintenant que vous commencez à vous éduquer sur la page ici. Quand elle passe, ça vous ouvre un peu. Une femme est venue me voir de l'autre jour. Elle me dit qu'elle était simpleton plus, plus, plus. Simpleton au cube. Plus, 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 plus. Ngoutia, va sur Google. Tu tapes que lion dans le rêve, ça veut dire quoi? Voilà. Elle dit qu'elle elle était avec son gars. Ils ont galéré ensemble. Après, il a commencé un peu ça, donné un peu. Elle n'avait jamais eu une mauvaise pensée dans sa tête pour son gars. Elle, oh, femme au foyer. Il a envie de donner l'argent à sa soeur de construire la maison. La soeur construit en disant que c'est sa maison à elle-même. Quand ils entrent dans la maison, quelques temps plus tard, ils se rendent compte même qu'en construisant sa part, il a marqué une autre femme à côté. Dans le même quartier. Elle ne savait pas. Parce qu'elle était très simple. Très simple. Quand tu es simple, le risque que tu cours, c'est que eux, ils connaissent. Et il y a des petits trucs. Parfois, les ancêtres viennent te parler dans le rêve. Comme elle a parlé, par exemple, sur le lion qu'elle a vu. Mais tu ignores. Tu ignores. Alors que si tu étais déjà conscient, peut-être tu vois quelqu'un dans ton rêve là. Tu vois ta belle-sœur dans le rêve. Elle bagarre avec toi. Tu ne comprends pas. Tu vois même la femme de ton père. Toi, une belle-mère là, qu'elle t'a toujours détesté peut-être. Elle vient dans le rêve. Bam, elle bagarre avec toi. Elle bagarre avec toi. Elle bagarre avec toi. Je dis, ah. Tu n'es pas conscient, tu te lèves, tu laisses aussi passer. Alors que si tu étais conscient, quand tu te réveilles du rêve là, tu comprends que il y a quelque chose que la femme est en train de faire, même si c'est qu'elle vient rire avec ta oh, ma BS chérie. On les connaît, nous vous connaissons. L'esprit est en train de te montrer parce qu'elle est choisie une intuition très, très. Quand quelque chose couche avec quelqu'un, you know, tu connais. Tu regardes la personne comme ça là. Quelque chose comme ça là. Toi, c'est là. Maintenant que tu connais, quand tu commences à écouter mes vidéos, c'est là. Tu comprends que quand ça fait comme ça là, avec qu'il y a quelque chose sur ça, tu vas fouiller. Tu vois, c'est quand la personne est venue confesser devant toi que tu as su. Finalement, quand tu voles dans le rêve, c'est très bien, c'est un bon signe. L'élévation spirituelle et aussi le fait que tu domines tes ennemis. L'opposé, c'est parfois que tu tombes, tu ne vois pas le fond. Tu tombes, tu le veilles. Tu tombais où? Vous devez être très vigilant. Maintenant, vos dons peuvent être réactivés à tout moment. Donc, tu as dit, tu m'écoutes. Tu dis, waouh! Et arrêtez vos trucs que vous passez les journées à prier pour les gens. Vous passez les journées, vous faites les bains. Il y en a, vous faites les bains pour les gens, ils se lavent avec, ils guérissent. Non, le Seigneur te bénit. Non. Ton don doit être commercialisé. Tendez bien vos oreilles. Goûtez bien. Parce que ce que tu soignes dans quelqu'un là, il aurait pu aller à l'hôpital donner 400 000 pour ça. Si tu viens, tu lui donnes moi 50 000, je te fais telle chose. Tu n'es pas en train d'escroquer la personne. Tu lui économises le temps. Quand tu pars à l'hôpital, on t'hospitalise 2 mois là, ou bien une semaine, est-ce que tu es content? Premièrement, tu es affaibli. Deuxièmement, tu dépenses l'argent. Troisièmement, tu ne sais pas si tu vas mourir ou pas.
Voilà. Et vous devez, n'ayez pas peur. L'autre problème que vous avez, c'est que vous considérez trop ce que les gens vont dire. Vous considérez trop. Donc tu es là, tu as les dons, mais tu as peur que si les gens connaissent que tu fais ça, ton mari, oh, il aura honte, oh, on va se moquer de ton mari. Oh, oh. Il y a toujours un truc que vous pensez. On libère-toi déjà. Et vous n'êtes pas consistant. Les gens aiment quand ils arrivent, ok, tu soignes, d'accord. Dans ta maison, cherche même un petit endroit, un petit coin. Même si c'est une fois par semaine que tu reçois quelqu'un. Quand la personne vient, il te trouve que tu as mis quand même deux chaises plastiques. Deux chaises en plastique, une là-bas pour lui, une pour toi. Avec une petite table qui coûte 11 000 au milieu. Tu dis, parle. Tu es en train de donner de l'espace à tes dons. Beaucoup d'entre vous, oh, j'ai les dons, j'ai les dons, j'ai les dons, j'ai les dons. Tu n'as jamais rien commencé avec tes dons là. Donc, commencez à créer de l'espace. Tu peux être en Europe même, tu es chez une pièce de ta maison. Un coin là. Quand quelqu'un vient, tu ne fais plus des blagues, genre. Non, non, non. Ma chérie, tu sais quoi? Je vais m'occuper de ton problème personnellement. Tu mets ton coin. Il arrive, il voit comment. Hey, elle prend son sérieux. Elle me fait même m'asseoir dans un coin. Hey. Ok. Elle prend le temps. Elle écrit même ce que j'ai dit. Et il y a. Elle écrit. Donnez, donc encadrez votre rêve. Like, frame it. Frame it. On n'a pas le don de donner l'argent, ma chérie. Ça, ce sont les choses qu'on vous dit pour vider vos poches. Transformez ce don en don d'économiser. Il y a aussi beaucoup de croyances que vous avez qui vous affaiblissent. Tout ce que tu rêves, quand tu te réveilles le matin, tu peux rectifier ça. Le rêve, c'est juste un canal par lequel on te parle. Donc tu peux te réveiller, tu dis que j'annule telle chose. Tu mets vraiment bien ton esprit, tu te concentres. Que telle chose que je fais, je refuse, je rejette. Ta puissance de ton esprit que tu concentres là. Et ce que tu dis avec la parole. Attendez, regardez, on va faire un test. Je vais essayer de trouver quoi. Peut-être, si tu es arrivé, peut-être que tu étais, on te poursuivait, on t'attaquait. Tu te réveilles. Tu te concentres. Je déclare que tout démon qui est envoyé derrière moi, je commande maintenant que tu disparaisses et que tu me laisses partir. Tout piton, tout serpent, tu as rêvé peut-être que tu, je ne sais pas. Vous devez savoir inverser vos rêves. Ça vient de là. Tu te concentres, tu répètes plusieurs fois. Tu répètes. Et quand tu répètes, tu te concentres, tu vas vraiment ta puissance en train de monter. Et je vous assure que c'est pas là, ça, c'est pas la blague. Tu vas sentir comment quelque chose, tu vas sentir comment tes bras vont commencer à s'activer. Le chakra du cœur va commencer à s'activer. Tu répètes plusieurs fois, tu répètes plusieurs fois, tu répètes plusieurs fois. Tout trou dans lequel on m'a mis, je suis en train de tomber. Je déclare que je sors de là. Est-ce que vous doutez trop de vous? Manuela Fallon, tu rêves que ton père t'a donné l'argent. Ça veut dire que c'est l'argent qui est en train de venir, non? Mais quand tu te réveilles, tu l'as dit, s'il y a n'importe quoi, n'importe qui est en train de voler mon argent, j'enlève votre main.
c'est comme ça, si tu peux même, va sur la tombe de papa. Tu fais les offrandes là-bas. Fais les offrandes. Bonjour la reine Clémence. Tu fais les offrandes sur la tombe. Tu demandes son assistance. Tu demandes qu'il te guide. Que s'il y a quelque chose qui doit te monter pour que tu fasses comme business, ça avance. Tu demandes qu'il t'ouvre le chemin. Vous devez vraiment... Comprenez que le monde du rêve, c'est comme une scène, c'est comme un espace de message. Maintenant, quand le message qu'on envoie, ça veut dire que Satan peut aussi venir donner sa part de message. Quand on donne, tu te lèves, ce n'est pas bon. Hein. Tu parles, tu te concentres, tu sens comment ta puissance monte. Tu as que d'annuler. Tu annules. Tu rêves qu'on a volé ton enfant, tu te lèves. Tu peux imposer la main sur l'enfant là. Peut-être l'ennemi, le Seigneur, en train de te montrer qu'il y a quelque chose, un plan qu'on a fait sur l'enfant ici. Et c'est ta parole qui va venir annuler ça. Après, tu fais une offrande. Faites toujours prière que vous avez fait avec la foi. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16 et 17, que la prière fervente du juste a une grande efficace. Donc, tu as mis tout ton cœur, tu as mis les poumons sur ça. La prière là. Quand tu vas rester, tu vas te rappeler que non, j'avais fait quelque chose. Parce que quand on vient t'attaquer avec les mauvaises idées, on vient te déposer. Voilà, on a volé ton sac, on a volé ton argent. Ils sont en train de me mettre. Tu te réveilles maintenant. Hey, ça veut dire que ce qu'il fait ne va pas marcher. Hey, supposons que je te réveille. Tout voleur, Satan, je te commande de restaurer. Restaure ce que tu m'as volé. Au nom de Jésus. Tu pars, tu te concentres, tu te concentres. Après, tu peux faire une offrande. Que je scelle la prière que j'ai fait ce matin maintenant. Aucune âme forgée contre moi ne peut prospérer. Tu fais ça, tu libères maintenant. Steven, comment tu vas? Ça fait longtemps. Vous doutez trop de votre puissance. Ils ont peur de vous, mais vous-même, vous ne connaissez pas. Il y en a qui savent que si la fille se connaît qu'elle est, on est mort. Parce que dès qu'elle va se concentrer, elle va lancer une prière, elle va prononcer nos noms. Mof. 50 000 anges vont atterrir dans d'autres maisons là. Nous terrasser. Pa, 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 pa. Et ce que vous aimez tout dépend des gens. Je suis en train de vous dire quelque chose, en train de dire, oh, j'ai fait le rêve, que, oh, je ne suis pas là pour interpréter les rêves. Celui qui veut comprendre ce que j'ai dit, il comprend. Je vous ai dit d'arrêter les fables. Je n'aime pas. C'est que vous aimez cette partie-là. Quand vous restez ensemble, vous dites, ne soyez pas dépendant. Je peux me lever, je fais un rêve, je te dis, tu interprètes ça négativement. La parole que tu me donnes là, ça reste avec moi pendant 5 ans. Ça détruit ma vie pendant 5 ans. De notre côté maintenant, tu me dis la parole là. Je reste et dis, non, je refuse. Tu dis ton interprétation. Maintenant, moi-même, je rentre et je dis que jamais je refuse. Donc, ça veut dire que je vais mourir sans accoucher. Ça veut dire que je vais sans me marier. Ça veut dire que je serai toujours pauvre. Jamais. Seigneur, je refuse. Le passé ne veut pas activer. Je sens comment ma puissance a été désactivée ce matin jusqu'à... Qui? Bonjour, la reine Léa du Luxembourg. Tu te concentres, tu annules. Pourquoi ça, tu n'as pas fait une offrande? Je scelle ce que j'ai annulé par le sang de Jésus. Voilà. Je sens comment. Parce que vous avez un champ d'énergie. Un champ d'énergie. Et ça peut s'étendre jusqu'à... Tu peux être au Cameroun. Ton champ d'énergie s'étend jusqu'à Mars, sur Mars. Ça traverse Washington, ça traverse le Kazakhstan, ça traverse l'Indonésie. Ça part jusqu'à sur Mars ou la Lune. Merci pour les cœurs, la reine Clémence. C'est pour ça que quand vous connaissez qui vous êtes et ce que vous voulez, même les plus grands sorciers, quand ils vous rencontrent, que non, la fille, c'est là. Parce que tu dis non. On t'attaque, tu te lèves le matin. On t'attaque. C'est quoi ça?
Attends, la fille, ça ne comprend pas. Oui. Tu as une force en toi qui est comme le bulldozer. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Et toujours la clé, c'est votre joie. Même si on vient déposer 50 tonnes de problèmes sur ta tête, tu dis que je ne serai pas triste. Je ne serai pas triste. Je ne serai pas triste, ta joie sort, ça fait comme Sangoku. Tu ressens comment l'esprit t'envahit comme ça, ça prend tout ton corps. Tous les trucs qu'ils auraient déposés sur toi là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. La reine Kelly, bonjour. Bon, je vais donner mes numéros de téléphone. 00237. Prenez de quoi noter. 6 93 50 22 66. 6 93 50 22 66. Donc, ceux qui sont au Cameroun, on a toujours l'école des enfants. Ils font cours de cuisine, cours de judo, cours de danse, de piano, chant. Il y a beaucoup de choses qu'ils font. C'est à Makepe. Vous pouvez m'envoyer votre enfant d'ailleurs. Il vient, il est logé et puis il est nourri pendant le temps qu'il fait le camp de vacances. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Donc les kits sont toujours disponibles, les consultations aussi. Je ne consulte plus seul. J'ai besoin d'aide et j'ai reçu cette aide. Donc, nous sommes maintenant plusieurs à consulter, ce qui fait qu'on peut prendre plus de consultations. Voilà. Et puis, après, on vous prescrit et puis on fait un suivi. Certains parmi vous, vous avez pris un kit depuis 3 mois. Vous ne vous dérangez pas, hein? Un kit pour 1 mois, là, ce n'est pas suffisant. Ils vont encore venir attaquer. Ça, c'est sûr. Donc, vous avez besoin d'un suivi, d'un certain suivi. Et c'est quand tu commences le travail spirituel que les problèmes commencent vraiment encore bien. Bonne journée à vous.